Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo trimestrielle pour faire le point sur le petit investissement qui était Evolution Céleste. Alors quand je parle d'investissement, c'est un bien grand mot, on n'en a pas acheté des palettes non plus, on avait acheté ce qui se trouve ici, on en avait acheté plusieurs, des cases quand même, et on avait acheté voilà, des tripacks et des boosters. On avait acheté ça il y a un an, on avait fait le point il y a 3 mois, les blisters se vendaient à peu près 10 €, on avait des tripacks qui se vendaient à peu près à 30 €, ce qui est tout à fait logique, et après on avait des cases qui tournaient autour peut-être de 300 €, voilà. Et tout ça a bien augmenté sur ce dernier trimestre, puisque on est sur le prix des cases, donc la dernière s'est vendue 600 € sur eBay, c'est des prix eBay, hein. Après on a ça qui part à 20 €, pareil, on a eu pas mal de ventes à 20 € donc sur les blisters, donc ça a doublé, on va dire, sur le dernier trimestre. Et pareil sur les tripacks qui étaient achetés à l'époque à 17,90. Sans compter les petites réductions que j'ai à la boutique où j'achète. Et qui maintenant, là, les derniers se vendent à 60 €. Voilà. Bon, après, à voir si ça continue ou si ça continue pas. Moi, je pense que ça va continuer à monter. Tranquillement, voilà, vu les cartes qu'on peut trouver à l'intérieur et la cote des cartes, même si elles sont montées à des sommets et redescendues un petit peu. Mais ça stagne tranquillement et je pense qu'on va. On va continuer à monter puisque c'est, on va dire, la seule série quoi, bah, qui a eu un petit peu d'intérêt, puisque moins on a chance d'avoir quelque chose, vu que c'est quand même un jeu de hasard, moins on a de chance d'avoir quelque chose, plus la cagnotte est importante. Voilà, donc c'est tout simple. Après, quand vous avez acheté un display, là, des fois de récent, où vous avez énormément, énormément, énormément de hits qui du coup n'en sont plus, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc pour ceux qui critiquent le Noctali qui se vend 1002, 1005 en PSA et compagnie, ça les vaut puisqu'il est difficile à tirer, quoi, tout simplement. Donc voilà, on a fait un petit peu le point. Donc 20 € à cette date, donc 20 € on va dire au 1er avril, 20 € sur les blisters, 60 € sur les tripacks et 600 € sur les cases, voilà, qui a été acheté 200 € à l'époque. Voilà. On en a mis un petit peu de côté, on en a, je pense, une centaine de blisters, voilà. Et on va voir l'évolution une fois par trimestre, comme ça permettra de voir un petit peu s'il y a eu des gains ou pas, puisque ça contrebalance un petit peu toutes les dépenses qu'on a dans les cartes. Voilà. Bah écoutez, on fera un point aussi sur du célébration, puisqu'on en avait acheté, c'était les deux choses sur lesquelles on avait misé un petit peu. Tout le reste, pour moi, c'est, voilà, peut-être Origine perdue, là, va performer un petit peu. Même beaucoup, puisqu'il y a Giratina, qui était une carte qui a pour moi été sous-estimée et qui va pas le rester longtemps. Voilà, bah écoutez, on va bientôt faire l'ouverture des 2000 abonnés. On cherche un display un petit peu plus ancien à ouvrir, voilà. Et puis, il me reste à vous souhaiter bah, une bonne soirée. Lâchez un petit pouce, un petit commentaire pour le référencement, et puis on se voit bientôt.